Mets un pouce bleu maintenant si le chapitre 1 te manque. Vas-y, je sais qu'il te manque, voilà, je le sais. Tu l'as pas mis, c'est bon? C'est bon, merci. J'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui, réaction chapitre 1 de Fortnite. Et quand je dis chapitre 1, je ne parle pas de la fin, mais du début. Le début de Fortnite, son commencement. Cette vidéo en plus, elle tombe super bien en termes de timing, parce qu'on pourra rejouer au chapitre 1 dans les prochains jours. Donc ça va nous remémorer plein de choses pour y rejouer bientôt. Mais juste avant, va mettre le code NEXTAS dans la boutique. Plus il y a de personnes qui le mettent, plus je serai motivé pour continuer les vidéos. Je suis déjà très motivé, mais si tu veux encore plus l'augmenter, tu sais quoi faire. De retour sur le chapitre 1 avec directement le tremplin. Mais pourquoi Fortnite l'a enlevé? C'est une dinguerie. Il avait le sniper et le minigun, ça me manque. Même si c'est vrai que bon, en sniper là on a le barret, donc ça va. Ok, c'est petit Bambi. Hein, on commence par un petit Bambi. Le top 1 qui est fait, let's go. Et quoi, un double pompe? Est-ce qu'il va faire une énorme dinguerie? Ça tout. Non, frère, par contre, il fait les balles. Oui, il lui a cassé les jambes. 11, 9, 7, 5, 3, 1. Wesh, il a survécu. Oh la dinguerie. Attends, attends, il va réussir à réa son pote ou pas? Lui dit viens papa, viens papa. Oh, il a réa 1 HP. Il est en train de dire abonne-toi, mets un pouce bleu, machin. Fais-le sur cette vidéo aussi, c'est important. Et il prend le kill. Top 1, 22 kills, let's go. Tilted Tower, oh il y avait du monde hein. Ok, il a un 1v2, faut faire attention quand même. Ils veulent pas ouvrir le camp parce qu'avant, bah en fait c'était un peu compliqué d'ouvrir, récupérer l'arme en même temps. Ah, il a réussi. Ouais, il y avait que des skins Bambi, c'est une dinguerie gros. Ok, petit Bambi encore une fois. C'était pas un bot, ça existait pas les bots sur le chapitre 1, ça arrivait début chapitre 2. Et il va prendre le kill tranquillement je pense, vu que c'est un gros noob, voilà. Ça touche et... Ouais, cours frère, cours, va loin, t'es éclaté. Oh là 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 là, le buisson. Mais comment on est arrivé à un stade où Fortnite n'est pas aussi fun qu'à cette époque? Comment c'est possible, les gars? Tu voyais des mecs accroupis en buisson qui couraient. Eh ouais, petit headshot, tu dégages, c'était magnifique, sérieux. Double pompe, alors là, est-ce qu'on va avoir vraiment quelque chose de bien de Daekwon? Ok, ça touche, ça touche. Double pompe, magnifique, ça touche. Et là, sous le squad, c'est fait magnifique. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Aïe, distorsion. Piège? Oui. Attends, qui va prendre les deux kills? Je sais pas. Oh là là, mais c'était des chevaliers noirs en plus. Je suis mort. Et attention, double kill. Je sais pas pour toi, mais moi, le piège me manque. Docteur Loupo Ninja, il décide de le taire à la grenade refus et ça tue. Le petit prank du début de Fortnite. Aïe, aïe, aïe. Ça va être compliqué là. Mon poteau. Ok, il arrive à en tuer un. 3. Arrête. Wesh. Oh, le pompoto pareil. Mais pourquoi on l'a plus sur le jeu, sérieux? 3, 2, 1. Il est en train de l'appeler. Là, il va arriver. Il y pense. Il arrive et il meurt. Oh, legit. Oh, magnifique. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oh, mon Dieu. Ils viennent de prendre un colis. Mais non, mais c'est un truc de fou. Mais c'était pas des bots. Mais je vous jure, ça n'existait pas à l'époque. Mais par contre, attends. Ils sont aveugles ou quoi, les gars? Il y a un petit problème, là. Le mec était devant lui. Directement, tous les kills, c'est fait. Magnifique. Double pompe, allez. Double pompe gris là. Oh là. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. C'était ça la méta. C'était pas pompe. PM, c'était pompe. Et pompe, c'était trop fort. Ok, Iria, il le voit. Hein. Les gars, non, mais il y a un problème. Il y a un problème d'aveugle. En fait, c'est une vidéo pour aveugle, je crois. C'est une dinguerie. Ben ouais, grenade. Ouais, ouais. Ça, non, mais ouais, mais ça prend tous les kills. Mais c'est une dinguerie. L'un des premiers fights de Fortnite. Oh, j'ai trop hâte de voir ça. Ça monte un petit peu. Oh, ok, il prend des dégâts. Mais c'est pas grave, il va monter. Oh là là, les build fights du début. Juste une catastrophe. Mais ça passait, hein. Ça touche. Ça touche et il va prendre le kill. What? I fell through the floor. Il est passé à travers le sol. Ok. Ouh. Wow, magnifique. 135. Headshot sniper, super beau. Il a double pompe lui par contre avec un pompe auto. Il prend des dégâts. Il va prendre les kills. Boum. Boum. 116. Boum. Et ça dégage 194. Allez, on enchaîne ici. Boum. Headshot sniper. En deuxième, en deuxième, en deuxième, on enchaîne. Deuxième pour le top 1. Magnifique. Double pompe encore. Gris. Je pense que c'était de la solo solo. Ok, ça touche. Non, c'est pas de la solo 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 squad. 225 headshots de 6 dépôts. Le monde, cette ville me manque tellement. C'était l'une des premières sur Fortnite. Et franchement, c'est tellement dommage qu'elle soit plus là. Ok, ça prend la petite PM. Par contre, ça va être impossible de survivre pour lui, je pense. Il y avait les fumis. Non mais attendez, non mais attendez. Mais toute
toutes les personnes qui regardent sa vidéo, personne ne se rappelle des fumigènes. Zéro van, elles sont arrivées durant une mise à jour et ont été enlevées à la prochaine mise à jour. Qu'est-ce qu'il va nous faire Daekwan? La zone frère, la zone. Vas-y sors mon pote. Il survit je pense. Pourquoi que ça fait vraiment mal? C'était même pas du moins 5, c'était du moins un moins 7. Daekwan est abonné au bug de Fortnite. Comme tu peux le remarquer, il y en avait pas mal. Ok, ça boogie. Oh là 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 là, les boogies aussi, c'était incroyable. Bah, par contre, il demande à son teammate de le buter. Eh, bute-le, frère. Mais ouais, c'est à tout le monde qui danse. C'est un truc de fou, frère. Top 1, top 1, top 1. Coup d'RPG, top 1, boogie dance. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi Fortnite ne met pas plus d'objets comme ça sur le jeu. Des objets fun, des objets amusants. En même temps, tu me diras, il y a tellement de tryharders maintenant. L'un des premiers stream hackers du jeu. Ça me fume, le premier stream hacker de l'histoire de Fortnite. Wesh, sur la réaction. Wesh. Allez, retour le Daekwan, la répulsive. Boum. Magnifique, l'un des premiers clips de Fortnite. Et voilà, petite réaction sympa. On prend le kill. Wesh, 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 wesh. Y'a un petit problème là, les gars. Regardez les pompes. Le mec a 4 pompes. On pouvait double pompe, ce qui était déjà une dinguerie. Mais pas quadruple pompe. Ça ne passait pas. Ok, qu'est-ce qu'il va nous faire du coup? Il a 1v5 pour le top 1 10 kills. Et le mec, c'est un énorme Bambi. Oh là là, il sait même pas sprinter. Wesh, non, mes frères, t'as juste à appuyer un peu plus sur ta manette, quoi. C'est trop, ok. Il lui fait une petite base et. Ils étaient sur une énorme plateforme, ça essaie de le piège. Et ouais, ça va le piège, hein. Attends, il va survivre. Oh! Oh! Oh la dinguerie! En fait, c'était les sols de l'adversaire. Il avait juste à éditer. C'est super bien joué. Oh là là. Par contre, attendez, on en parle du monde là. Qu'est-ce qui se passe? Attends, il y avait les parties perso à l'époque, je m'en rappelle pas. Mais ils vont tous mourir en fait, ils vont tomber. Ils sont en train de se buter. Allez, butez-vous tous! C'est parti! C'est la guerre! Et ça tombe! Oh là 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 là, magnifique, j'ai juré. Incroyable. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Non mais c'est pas possible. Non mais les mecs, je n'en peux plus. Mais je n'en peux plus des aveugles. Enfin, j'ai rien contre les aveugles, bien évidemment. Voilà, normal, mais. Non mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pas un papy de 90 ans, je ne comprends pas. Il danse à côté. Mais tire frère. Voilà, mais des dégâts. Voilà, tue-le. Voilà, merci. Non mais attendez, mais c'est pas possible. Attends, me dis pas qu'il va pas réussir à tuer son pote. Mais non, mais non, mais non, non, mais 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 oh, merci, merci. Non mais il est derrière encore. Non mais c'est trop grave. Non mais c'est trop. Non mais. Eh les gars, vraiment, ça existait pas les bots à l'époque. Mais il y avait des mecs, ils étaient nuls, mais. On est à Pleasant Park sur le terrain de foot. Franchement, dites-moi en commentaire, c'est quoi la ville qui vous manque le plus? Pleasant Park, moi, elle me manque de zinzin. Oh là là, cette ville était tellement, tellement trop bien en fait. Ils sont en train de courser la balle. Ouais, c'est FIFA sur Fortnite. Pompe gris. Ok. Encore pompe gris. Boum, boum. Ok. 50-50. C'était le phare d'empoigne de l'époque. Ça touche. On prend un maximum de kills, frère. Oh là 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 là. Mais il y avait que les skins, Bambi. Mais regardez, personne n'a de skin. Personne. Oh, mais personne. Non, mais. C'est que des skins Bambi, wesh. Regarde ce que je viens de trouver. Oh la dinguerie. Mais qu'est-ce que je bois, moi, du coup, Kashiri? Mais ouais, c'est trop bon aussi. Allez, pour terminer, j'ai pris un gameplay d'Inoxtag. Donc, ça date de zinzin. C'était, je me répète, au début de Fortnite. On est à Salty Springs. Il y avait le bleuvage, il y avait le pompoto. Il avait 8000 abonnés. Est-ce qu'il va faire pas mal de kills au spawn? J'ai hâte de voir. Ok, petit bambino, ça dégage. C'est Rayou. Moi, je veux qu'il sorte de la ville avec minimum 6 kills. Ça serait plutôt pas mal. Il avait un ennemi dans la petite maison. Allez, 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 le pompoto, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Il a 150 de vie. Allez, mon gars. Il y avait même pas les mini popos à l'époque. Ça n'existait pas. Deuxième kill, bien joué. Il y a d'autres gens dans la ville. Cette ville, elle était tellement magnifique. Mais sérieux, mais pourquoi il en remet pas, putain. Allez, fais l'équipe, fais le petit, mon gars. Ok, ça open. Ça open. Ça joue avec les petits murs. Ok, ok, ok. Ça touche pas. Faut toucher, mon gars. Faut toucher. Allez. Bien joué, c'est Crack Shield. Allez, allez, allez. Bien joué. Magnifique. Inoxtag, c'était l'un des rares youtubeurs qui était super fort à l'époque. Il avait un énorme potentiel sur Fortnite, mais vraiment, c'était le seul avec un potentiel vraiment énorme. Et du coup, allez, 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 bien joué. Cinquième kill, j'ai dit 6. J'ai dit 6, est-ce qu'il va faire le sixième? Ça va être compliqué vu qu'il a vraiment pas beaucoup de vie. Ça se bandage en deux spi. Et est-ce qu'il a peut-être vu un mec, entendu? Je pense que ouais. Oh, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars. Oh là 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 là, mais le gars, mais le gars, mais le gars. Mais c'est trop grave, les noobies. Il y a deux personnes, même. De toute façon, il peut peut-être faire plus de 6 kills. Hein. Ça prend peut-être le kill là. Il se les fait voler. Et ça va être le sixième. Allez, bien joué. Sixième kill. Il a réussi. Voilà, mon objectif. Franchement, je me suis régalé. La vidéo était trop bien. Et cette vidéo.
Mignola tombe à pic parce que mercredi, on pourra rejouer au chapitre 1. Franchement, j'ai trop hâte, que ce soit en termes d'armes, que ce soit en termes de ville, ça va me faire kiffer. J'espère que t'as passé un bon moment avec moi. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait, de mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir. En tout cas, nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Nexta, je vous aime. Peace.